Bien, bonsoir à toutes et à tous, si vous voulez bien prendre place. Il fait un peu frais dans la salle, un peu, autorisation de garder les manteaux si la température est trop basse. On va essayer d'animer les débats hein, pour réchauffer tout le monde. Vous allez vite, au choix. Merci pour votre présence. Je vais d'abord faire lecture des pouvoirs. Alors, Isabelle Bolger a donné pouvoir à Francine Bollet. Gwenaëlle Claire m'a donné pouvoir. Caroline Philippe a donné pouvoir à Judith Reynaud qui ne saurait tarder. Frédéric Valtou à José Tenda pour le début de la séance parce qu'il va nous rejoindre en cours de séance. Virginie Larue à Thibault Flynn. Adélaïde Sassine à Antoine Ingold, Cédric Thomas à Patrick Julien, Audrey Tamborini à Dominique Le Cerf, et on attend pour Hélène Dupuis, c'est ça? Oui, bonsoir à tous. Cédric Thomas en fait a un empêchement de dernière minute. Oui, donc on essaie de voir avec Hélène. Si, bon, voyez si Hélène Dupuis peut transférer un pouvoir pour Madame Imo. Merci. D'accord. Merci. Voilà au niveau des pouvoirs. On va désigner un secrétaire de séance et c'est Paula Marianne qui a gagné le tirage au sort. Bravo. Bravo Paula. Avant de démarrer, je vous propose de vous tenir un petit peu informé de la séquence qui va avoir lieu la semaine prochaine à Fontainebleau. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir plusieurs manifestations internationales puisque à l'occasion du 75e anniversaire de la création de l'UICN, qui, je le rappelle, a été créé en 1948 à Fontainebleau, nous allons avoir plusieurs événements, dont une des réunions de l'UICN Monde, qui se tiendra au château le lundi 13 novembre, et se tiendra sur plusieurs jours du 13 au 15 novembre, plus précisément. Et il y aura également la réunion de l'UICN France, qui tiendra une assemblée générale également au théâtre municipal. Donc on va avoir un plateau assez important au niveau national et international sur l'UICN, qui, je le rappelle, fait autorité au niveau international sur l'état de la nature et des ressources naturelles dans le monde. Je rappelle également que la ville a adhéré à l'UICN en 2021 et a confirmé son adhésion au comité français en 2022. Donc c'est un plaisir et un honneur pour nous d'accueillir ces instances à Fontainebleau. Et nous aurons, on aura la liste des personnalités qui viennent du monde entier qui sera disponible dans les prochains jours. En parallèle de cet événement international, on a décidé avec les collègues et les services de la ville de pouvoir un petit peu faire écho à ce sujet de la conservation de la nature pour les Bellifontains ou pour le grand public. Et c'est pourquoi je vous informe de plusieurs temps ouverts au public qui seront organisés, et notamment lundi 13 novembre à 19h, au théâtre municipal, nous aurons le plaisir d'avoir un spectacle qui s'appelle « Des jardins et des hommes », Georges Sand et la défense de la forêt de Fontainebleau, avec au piano un pianiste, Patrick Scheder, au piano, Alain Bougrain-Dubourg qui sera là, et également des textes d'Abdelghani Benelal. Pardon. Ce sera le lundi 13 au théâtre municipal. Le lendemain, mardi 14 à 19h, ici même, dans le salon d'honneur de la mairie, nous aurons une conférence qui s'intitule « Fontainebleau, forêt de mémoire et forêt d'avenir » avec Patrick Blandin, qui est président d'honneur de l'UICN France, Virginie Vaux, la directrice de l'agence de Fontainebleau de l'Office des forêts, et Jean-Philippe Ciblet, que nous connaissons tous, président de l'Association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau. Autre événement également à retenir, mercredi 15 novembre à 18h au cinéma L'Ermitage, diffusion du documentaire qui a été réalisé par l'Association des Amis de la Forêt, qui est un documentaire qui circule beaucoup dans les écoles de Fontainebleau et on a un plaisir à pouvoir le proposer en diffusion au cinéma L'Ermitage. Ça s'appelle Fontainebleau Forêt Passion. Et nous aurons tous rendez-vous, j'espère que vous serez nombreux. On a décidé de programmer une opération Mare des déchets, samedi 18 novembre à 14h, route de la Fontaine, afin d'être en écho avec cette semaine internationale liée à la nature. Donc on sera, j'espère, le plus grand nombre pour continuer nos opérations qui visent à préserver évidemment les abords de notre si belle forêt.
Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'information et pour ouvrir ce conseil municipal. Vous êtes évidemment toutes et tous les bienvenus à ces séquences. Alors les séquences de l'UICN sont plutôt réservées aux membres. En revanche, les séances grand public, c'est avec plaisir que nous pourrons vous y accueillir. Voilà pour cette premier élément du soir. Il n'y a pas de vote, c'était juste pour information. On va passer, si vous le voulez bien, à la liste des décisions prises selon l'article 21-22. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Raymond. Bonsoir, chers amis, chers collègues. J'avais des interrogations sur les dernières décisions dans le cadre de MAPA sur des sommes qui sont quand même assez conséquentes pour la mission d'assistance au recrutement d'un directeur des pôles ressources, des ressources humaines ou de la sécurité. À chaque fois, c'est une affaire de 10 000 euros. Et je m'étonnais, dans le temps, le recours à ces missions d'assistance ne concernait que, dans mon souvenir, que le directeur général des services. Aujourd'hui, je vois que c'est pour beaucoup d'autres postes et je me dis que ça va finir par coûter cher et je voulais juste m'assurer que tous les moyens modernes de recrutement, tous les réseaux LinkedIn et compagnie, étaient bien utilisés avant d'engager l'argent public pour ces recrutements. Il y avait celle-là et il y avait également un autre point qui, pour moi, demandait un peu plus d'explications, la décision 23-VO-36 du 20 octobre 2023 relative à une étude master plan paysager des abords du château de Fontainebleau pour 40 000 euros pratiquement. Je voulais savoir si vous pouviez nous donner un peu plus d'informations parce que si c'est le château de Fontainebleau, c'est le château de Fontainebleau. Si c'est la ville de Fontainebleau, autant appeler ça les abords de la ville. Et il me semble que nous avions en stock quand même quelques études déjà qui existaient. Donc j'aimerais avoir un peu plus de précision et puis un certain suivi sur cette somme engagée. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Raymond. Alors, les moyens modernes de recrutement, pour les utiliser presque quotidiennement, on a de tout hein, sur les moyens modernes de recrutement, hein, LinkedIn, tout ça. Je ne suis pas sûr que ce soit les meilleurs, finalement, moyens pour recruter du personnel, en tout cas. Ce n'est pas sur ces seuls moyens que nous pouvons compter. Et vous avez raison, on est de plus en plus obligés pour avoir des candidatures, on va dire, de qualité, présélectionnées, qui sont capables de répondre aux enjeux qui sont les nôtres, et bien de passer par des cabinets de recrutement. Vous aurez noté quand même qu'on ne prend pas toujours le même. Saluons quand même la diversité des cabinets que nous sollicite. Ça permettra en tout cas d'éviter ce débat, de faire travailler toujours les mêmes cabinets. Et effectivement, ce sont des pourcentages. Vous avez vu d'ailleurs, ce sont à peu près les mêmes sommes à chaque fois. Donc c'est le prix du marché, on va dire, pour recruter des niveaux de comité de direction, de directeur de pôle à la mairie de Fontainebleau. C'est important d'avoir, je pense, un sourcing de qualité pour nous permettre d'avoir continuer à avoir des collaborateurs de qualité à la ville de Fontainebleau. En tout cas, je pense que ce sont des sommes qui, on s'y retrouve. Après, quand les recrutements sont bons et bien faits, ça va dans le sens de ce que l'on souhaite porter pour l'ambition de la ville. En tout cas, nous y faisons effectivement appel pour 3 missions actuellement en cours de recrutement. Pour le bureau Basse-Metz, merci de cette question parce que ça me permet de refaire la boucle avec la fabuleuse conférence qu'on a eue l'occasion de voir pour celles et ceux qui étaient présents au moment du Festival d'Histoire de l'Art de cet urbaniste belge Basse-Metz qui a le privilège de travailler actuellement hein, sur les abords du parvis de Notre-Dame. C'est le paysagiste, urbaniste paysagiste qui a été sélectionné par concours pour pouvoir revoir complètement, reconfigurer le parvis de Notre-Dame. Et lors de cette conférence, il a eu un propos plutôt pertinent qui était de dire attention à l'urbanisme de nos villes, attention, le végétal doit être au cœur des réflexions d'aménagement et pas, on va dire, une variable d'ajustement. Et les démonstrations qui ont été les siennes lors de cette conférence ont plutôt eu, chez nous, hein, suscité l'envie de le challenger pour tout ce qui est justement la suite de notre requalification urbaine du centre-ville, puisque vous le savez très bien, on est parti de la place de la République, on est allé de la place de l'État, puis on va progressivement revenir entre la place de Gaulle, entre la place du jet d'eau et nécessairement la place d'armes à un moment donné, sur la remise à niveau de ces éléments d'urbanisme. Et
Le travail qui va être fait, c'est justement de voir quelle est la place du végétal et comment peut se faire la liaison entre le château et la ville, entre le château au domaine national et le cœur de ville, en mettant le végétal un peu plus en avant, un peu plus au cœur de la réflexion stratégique et la réflexion urbanistique. C'est effectivement une somme, vous avez raison de le rappeler, mais c'est vrai que quand on sollicite ce niveau d'expertise, je pense que c'est aussi une chance, en tout cas j'aimerais bien le voir comme ça, de pouvoir bénéficier du talent et de l'expertise de ce monsieur qui voyage de par le monde pour offrir sa vision justement de l'urbanisme de demain. Donc voilà, c'est effectivement une somme, 39 900 euros, mais c'est une étude qui, je l'espère, nous permettra de continuer la rénovation du centre-ville en y adjoignant une réflexion sur le végétal et sur la place de l'arbre et du vert dans notre cœur de ville. Mais il y aura un suivi, avec grand plaisir, au contraire. Voilà, c'était ça qui m'importait, c'était aussi d'avoir un suivi. Juste une précision, vous pourrez le vérifier dans l'enregistrement des propos, à aucun moment je nous ai fait un procès sur le fait d'utiliser le même cabinet pour les recrutements. Donc ne me faites pas de procès d'intention en disant que j'évoquais ce point-là. Vous serez gentil, je vous remercie. Eh bien, comme on est tous gentils et bienveillants, il n'y a pas de procès d'intention. J'anticipe peut-être une question à un prochain conseil municipal, mais tout va bien ce soir, monsieur Raymond. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces décisions, monsieur Le Cerf? Oui, j'avais évoqué pour la décision 23 mars 34 relative aux travaux de réaménagement du square des Lilas. J'avais demandé la copie de la décision et j'ai reçu les documents cet après-midi. Et j'en parlerai plus longuement à la question qui concerne le square une fois précédent. Merci, monsieur Le Cerf. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur les décisions? Très bien, il n'y a pas de vote, je vous le rappelle, sur ces décisions. Je vais passer à l'approbation du procès-verbal de notre séance du 25 septembre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Des contres? Des abstentions? Merci beaucoup. Premier point à l'ordre du jour. Et je vais donner la parole à Thibault Flynn, qui va nous parler de l'accord cadre sur l'entretien des espaces verts. Tout à fait. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous, chers collègues. Donc, le marché d'entretien des espaces verts et des arbres de la ville arrive à échéance. Un appel d'offres a donc été logiquement lancé pour renouveler le marché. Et c'est la société Chadel qui a été retenue par la commission d'appel d'offres la semaine dernière et qui s'occupera donc d'une partie de l'entretien des espaces verts et des arbres dans le cadre d'un nouveau marché de 4 ans résiliable annuellement. Je précise que c'est en complément de l'action des agents du service espaces verts, notamment quand certains travaux nécessitent beaucoup de temps, par exemple des tontes ou l'utilisation de machines que nous ne possédons pas en interne. Je pense par exemple à l'élagage de tous les arbres d'alignement. Il y en a plus de 900 sur la commune. Voilà, donc ça permet d'avoir accès à du matériel spécifique et ça soulage aussi les services de la commune. Merci. Merci Thibault. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier point ? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Point numéro 2, Laurent Roussel pour l'appel d'offres sur les contrats d'assurance de la ville. Oui, bonsoir à tous. Donc il s'agit de relancer un appel d'offres sur les contrats d'assurance qui arrivaient à échéance au 31 décembre. Donc le contrat, l'appel d'offres est séparé en plusieurs lots, en 6 lots, et donc il est suite donc à cet appel d'offres et à la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 12 octobre. Il est demandé d'approuver l'attribution de l'appel d'offres sur les différents lots, le premier à la SMACL, le deuxième à PANS Areas, le troisième à la SMACL également, le quatrième à 2C Courtage Groupama, le cinquième à la SMACL et le dernier à Gilles Bochet, Alliance IARD. Voilà. Merci. Remise en concurrence assez classique de nos contrats d'assurance. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions. Des contres? Des abstentions? Merci. Point suivant, je redonne la parole à Thibault Flynn qui va nous parler justement de l'appel d'offres pour l'aménagement du City Stade et de l'aire de jeu au Square des Lilas. Et d'après mes informations, les travaux vont démarrer d'ici la fin novembre. Mais Thibault va nous parler de tout ça.
Tout à fait. Donc, à la suite de l'appel d'offres émis par la ville cet été, on vous propose aujourd'hui d'attribuer le marché donc, pour la création d'un City Stade. Ça, c'est le lot 1 et d'une aire de jeu, le lot 2 dans le Square des Lilas. C'est la société SFEV, donc basée à Étampes, qui a été retenue par la commission d'appel d'offres pour ces deux lots. C'était un engagement fort de l'équipe municipale, notamment lors des dernières élections. Et je crois qu'on peut tous se réjouir ici que les choses avancent. C'est en tout cas une excellente chose pour évidemment les habitants du quartier et d'ailleurs les enfants et les jeunes qui pourront profiter de ces belles installations. Les travaux vont débuter très prochainement et j'espère qu'on pourra, ils pourront tous se jouer dedans dès les beaux jours 2024. Merci Thibault. J'imagine qu'il y a des questions sur ce point. Daniel Raymond et après Dominique Le Cerf. Merci Monsieur Flynn de cette information. Content de savoir que les travaux vont commencer. C'est un équipement qui est attendu depuis longtemps, effectivement, qui faisait partie des engagements de la dernière campagne municipale. J'espère que les autres engagements de cette campagne connaîtront la même réussite. J'en doute. J'avais une question annexe qui ne portait pas directement sur cet équipement, mais sur celui qu'il vient remplacer en quelque sorte, c'est celui qui est au Bréau. Quel est l'avenir du City Stade du Bréau aujourd'hui, à l'instant demain et dans quelques mois quand l'autre City Stade sera construit. Pardon, excusez-moi. Alors, concernant le City Stade du Bréau, tant qu'il n'y a pas de démarrage concret de projet concernant les subsistances, puisque vous savez que ce projet est actuellement... il y a un chemin judiciaire qui est actuellement proposé sur ce projet. Donc tant qu'on n'a pas la conclusion et qu'on ne sait pas quand démarrera le projet, il n'est pas question de toucher au City Stade du Bréau. Mais comme on a bon espoir que ce sujet se débloque, donc effectivement, il faudra reconsidérer le positionnement de ce City Stade. Et oui, vous avez raison, il faudra lui trouver un autre emplacement au cœur de ce quartier de Fontainebleau, qui est le Bréau, soit sur des terrains qui feront partie du nouvel aménagement, soit sur d'autres terrains. On a 9 hectares sur lesquels je pense qu'on pourra trouver de quoi positionner un City Stade. Mais à l'heure actuelle, la question ne se pose pas encore puisque les travaux n'ont pas démarré sur le futur quartier des subsistances. Voilà. Il est question de le remplacer, évidemment. Monsieur Le Cerf. Oui. Donc, cet appel d'offres fait en fait suite au réaménagement paysager, à l'abattage des arbres qu'on a vu précédemment. On voit que, a priori, 30 arbres vont être abattus et 33 autres vont être plantés. C'est ce qui m'a été rapporté cet après-midi. L'alignement historique des marronniers est conservé. L'emplacement du futur City Stade a été étudié afin d'impacter le moins possible les arbres. Par contre, je voulais faire aussi un petit rappel historique de ce projet, comme Daniel l'a fait. Ce projet a été annoncé la première fois dans le MAC 77 de janvier-février 2020. Puis en 2021, dans la tribune du MAG numéro 84, on lit « Square des Lilas, projet qui voit le jour cette année ». Même année, MAC 86, on lit « Ce lieu privilégié du quartier, très apprécié de tous, sera réaménagé prochainement. Entre-temps, dans le MAG numéro 80 d'août 2020, on note un article très intéressant intitulé « Au bonheur des oiseaux », dans lequel on lit que la ville est engagée dans une démarche de valorisation de son patrimoine naturel. On y apprend, par exemple, qu'au Square des Lilas, on a pu observer un ascenteur mouché, c'est un oiseau dont j'ignorais l'existence, qui ne se retrouve pas sur les autres sites qui ont été vus par LPO. Malgré les réunions de quartier, les questionnaires multiples qu'il y a eu avec les habitants s'inquiètent. Il y a eu 4 scénarios qui ont été proposés aux habitants. Dans ces propositions, les habitants ne comprennent pas la présence d'une fontaine, de tables de ping-pong. Je ne sais pas si le projet que j'ai eu là est celui qui a été finalisé.
Et voilà, on propose des tables de ping-pong. Voilà. Actuellement, elles ne servent juste que pour s'asseoir et voilà, il n'y a pas tellement l'utilité. Concernant la réalisation du site stade, l'adhésion n'est pas très forte. Voilà. Ils trouvent que le projet est obscur. Il faudra, par exemple, installer un grand, immense grillage pour empêcher les ballons d'aller sur le boulevard, et ça les inquiète un peu. Enfin, le square des Lilas et ses environs, actuellement, sont le théâtre de rassemblements de festifs de jeunes, de plus en plus fréquents, de plus en plus gênants, et surtout avec un usage détourné du protoxyde d'azote qui peut avoir des conséquences neurologiques graves chez ces enfants. Merci. Et Cédric avait juste aussi une question. Il voulait avoir des futurs visuels de ce site qu'on n'a pas eu. Merci. Merci pour cette question qui balaye un peu tous les enjeux de ce dossier. Écoutez, merci d'avoir fait le rappel des différentes publications dans le magazine. Bon, l'essentiel, en tout cas vu de ma fenêtre, c'est que ça se fasse et que ça se fasse dans le cadre de ce mandat. Ça a été annoncé, il y a eu de la concertation, il y a eu des documents qui ont été distribués. Et dans le dernier document qui a été distribué, il y avait, Monsieur Le Cerf, le visuel qui fera du City Stade et de l'ensemble de l'aménagement. Donc si vous voulez, je peux vous le remettre à la fin de ce conseil. Tout ça a été fait avec beaucoup de transparence et beaucoup d'aller-retour avec les riverains. Je m'étonne un petit peu des inquiétudes que vous soulevez, parce que quand on a pu aller sur place ou quand on échange avec les riverains, c'est plutôt de l'enthousiasme qui ressort de nos échanges. Donc on ne doit pas croiser forcément les mêmes personnes. En tout cas, en termes d'équipement, ça répond au questionnaire de concertation qui a été établi, et la majeure partie des votants, on a bien suivi leurs recommandations, en tout cas leurs attentes, et je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Sur les arbres, alors, vous dites effectivement, et vous avez raison, puisqu'on vous l'a rappelé cet après-midi, 30 arbres supprimés et 33 replantés, ça fait suite aussi à une étude phytosanitaire, hein, puisqu'on n'enlève pas n'importe quel arbre, on enlève ceux qui ne présentent pas une santé la plus forte, et sur lesquels il faut plutôt avoir une gestion d'anticipation. En tout cas, il y aura plus d'arbres après qu'au début de l'opération. Après, sur la butte, sur le grillage dont vous parlez, oui, tout sera aménagé pour éviter que les ballons aillent sur la départementale, ça va de soi. On a effectivement pensé à cela, et également l'aménagement d'une butte de terre qui permettra de rehausser un petit peu les hauteurs et empêcher qu'il y ait des conflits d'usage entre la départementale et le City Stade. Et enfin, sur le protoxyde d'azote dont vous parlez, on a eu l'occasion d'en discuter, Monsieur Le Cerf. J'ai pris un arrêté il y a un peu plus d'un mois de cela, interdisant la consommation de cette substance sur la voie publique, ce qui permet désormais aux agents de police d'intervenir, puisque sans arrêté, il n'en était pas possible. Donc désormais, ils le peuvent, et vous avez raison, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit vigilant, parce que c'est un gaz qui est détourné de son usage principal et qui peut être dangereux pour notre jeunesse, pour nos jeunes, en tout cas pour ceux qui le consomment. Donc nous sommes vigilants là-dessus, et on a eu l'occasion d'en discuter ensemble, Monsieur Le Cerf. Voilà, j'espère avoir été complet sur les questions que vous avez posées, en tout cas sur mes réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet ? Pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Écoutez, merci pour cette unanimité, ce sera un plus pour le quartier, à n'en pas douter. Un nouveau point pour lequel je vais passer la parole à Thibault Flynn, c'est la requalification, l'enfouissement des réseaux et le renouvellement des installations d'éclairage public. Oui, donc vous le savez, désormais avec le maire et l'équipe municipale, on met le paquet sur les rénovations de voiries, et donc après avoir repris 7 rues en 12 mois, donc un rythme absolument inédit, on acte ce soir en fait la première étape d'un programme pluriannuel d'investissement sur la voirie pour effectuer des reprises qu'on appelle intégrales, c'est-à-dire requalification, reprise de la voirie, des trottoirs et enfouissement des réseaux aériens. C'est cette première étape, donc on va désigner un maître d'œuvre qui va nous accompagner au quotidien afin de mener cet objectif au bout pour un montant maximum de 75 000 euros par an. La commission d'appel d'offres s'est tenue le 31 octobre dernier et a attribué le marché à un groupement de différents bureaux d'études. Alors il y a BEA Focal de Ris-Orangis, De Gouy CEMAF à Logne et Céramo Agence pour la Terre à Melun. Voilà, donc la suite très bientôt. Merci Thibault. Est-ce qu'il y a des questions sur cette appel d'offres.
Pas de questions, je passe au vote ici. Pardon, allez-y, monsieur le Serre. Je relisais les notes de Cédric. Oui, ce qu'on aurait voulu avoir, c'est savoir les rues concernées et le budget global associé. Thibault. Alors, on a déjà eu différents échanges avec monsieur Thomas dans cette salle même. Les rues concernées pour l'année prochaine, c'est la rue des Bois. Alors, je n'ai pas le chiffrage en tête, mais ça, on pourra vous le communiquer. Et pour les autres années, en fait, l'idée, c'est qu'on reste flexible. On ne veut pas fixer une liste de rues de laquelle on ne pourrait, entre guillemets, plus bouger. Parce qu'une fois qu'on a dit aux habitants qu'on allait refaire intégralement leurs rues, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est de garder une certaine flexibilité en fonction de la vitesse de dégradation des rues, des différents chantiers qui sont menés dans la ville et des urgences à répondre. Mais de toute manière, ce qui compte, c'est essentiellement le nombre de rues qui seront reprises durant le mandat, plus que des rues en particulier. Mais évidemment, ce sont les plus abîmées, entre guillemets, qui seront retraitées. Oui, je rappelle qu'on a désormais une vision de l'état de dégradation des rues par rue dans Fontainebleau et qu'on agit en fonction justement de la vitesse de dégradation. Et comme le précise Thibault, c'est chaque année qu'on met au menu des rénovations de voiries. Et comme ça a été souligné, il y a eu un effort important fait ces dernières semaines pour avoir en 2023 plus de 7 voiries rénovées à Fontainebleau. Alors, je sais, il y a encore beaucoup de besoins, beaucoup de rues nécessitent le passage et l'intervention. Mais comme je le répète souvent, on y va par programmation, en fonction de nos capacités et nos moyens. Et encore une fois, l'essentiel, c'est d'avancer. D'autres questions sur ce point, monsieur Raymond ? Juste une remarque sur la déclaration de M. Thibault concernant la rue des Bois. Je suis content d'apprendre qu'elle sera faite en 2024 puisqu'elle était prévue au budget de 2023. Et oui, mais M. Raymond, vous connaissez sans doute le temps administratif qui est un temps long et les différents aléas qui peuvent intervenir dans un chantier. Vous doutez bien que nous, on n'a aucun intérêt à faire durer les choses. Si c'est en 2024, c'est qu'on n'a malheureusement pas pu la faire en 2023. Je n'en doute pas, mais on peut reprendre les débats de vote du budget et vous étiez engagé à ce que ça soit fait en 2023. Il y avait deux autres rues qui devaient être faites également. Vous m'excuserez, je ne me souviens plus de ces rues, mais voilà. Si elles sont faites en 2024, je suis très content. Mais voilà, il faut en prendre. Quand on annonce les choses, il faut être sûr de ce qu'on annonce. Mais oui, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas moi avec ma petite pioche qui vais refaire les rues, ce sont des sociétés professionnelles. Et malheureusement, quand elles nous répondent qu'elles ne peuvent pas intervenir dans les délais qu'on souhaitait au départ, malheureusement, on ne peut que décaler le chantier. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ce sera fait en 2024, pour la rue de Ferrare et pour la rue des Bois. Et puis si vous allez rue des Bois, vous verrez que les travaux de certains concessionnaires ont déjà démarré, puisqu'ils sont obligés d'intervenir avant. Et c'est donc Enedis qui intervient en ce moment. Rue des Bois. Donc en fait, ce planning, quelque part, aura un peu commencé en 2023, monsieur Raymond. Merci. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contres sur ce point ? Abstentions ? Merci. Point suivant. Alors, évidemment, on excuse l'absence d'Isabelle. Je vais vous présenter succinctement le point qui consiste à créer des postes temporaires d'agents du recensement. Chaque année, désormais, toutes les communes de plus de 10 000 habitants sont censées, depuis 2004, organiser le recensement pour, vous le savez, établir la population légale de la commune, fournir des données socio-démographiques et constituer des bases de sondages et d'enquêtes sur les ménages en France. Donc chaque année, nous reprenons les mêmes séries de délibérations et ce soir, nous vous proposons d'anticiper pour permettre la rémunération de 4 agents recenseurs et de 2 agents de la commune qui seront chargés de la coordination de l'ensemble et un adjoint contrôleur. Ce sont les textes qui nous permettent d'organiser cela. Le tout pour la commune, le coût total pour la commune est de 9 828 euros. Pour les agents recenseurs, 7 928 euros. Et pour le personnel municipal qui sera sollicité pour cette opération, 1 900 euros. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Pas de questions, c'est assez classique. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions ? Merci pour votre vote. Point suivant, sur les créations de postes. Alors, je trouve que les tableaux sont de plus en plus précis. J'espère que M. Le Serre nous en tiendra un point positif. Sur les créations de postes, il y a des modifications de postes existants afin d'ajuster les temps de travail des professeurs de musique en fonction des besoins du conservatoire, notamment en fonction des inscriptions sur l'année 2023-2024. Donc c'est essentiellement sur ce point qu'il y a des modifications de postes. En termes de suppression de postes, en revanche, comme vous le savez,
On a deux façons de, enfin deux obligations, c'est quand on a des évolutions statutaires, quand les agents évoluent dans la grille, eh bien on supprime le poste sur lequel ils étaient précédemment inscrits, enfin, dont ils bénéficiaient. Et puis également, quand on ne remplace pas de poste ou d'agent sur des missions de la commune, on supprime également ces postes à la grille. Et c'est le cas pour le poste de serrurier qui ne sera pas remplacé, le poste de chargé d'accompagnement juridique et statutaire qui était remplacé par un poste de gestionnaire de carrière et de paye à la DRH, et un poste d'agent technique référent qui était remplacé par un poste d'agent technique polyvalent. Ce sont les suppressions de postes. Et les autres, ce sont effectivement des adaptations aussi. On supprime les temps d'animation périscolaire dont nous n'avons pas besoin par rapport à la rentrée et par rapport à l'effectivité des besoins d'organisation du service sur le terrain. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Pas de questions, oui, ça, la routine finalement, presque de conseil en conseil, mais les tableaux sont de plus en plus clairs et merci au service de les proposer. Est-ce qu'il y a des contres sur cette délibération ? Abstention ? Merci pour votre vote. Point suivant sur le télétravail, on vous propose d'adopter, c'est détaillé dans une annexe à la délibération du jour, on confirme au travers de cette délibération le principe de l'installation du télétravail à la mairie de Fontainebleau, télétravail qui a été mis en place à partir de décembre 2021. On a souhaité à l'époque suivre un petit peu l'élan qui, de notre sortie de crise sanitaire pour essayer de tirer, en l'occurrence, le point positif, s'il pouvait y en avoir un, de cette crise sanitaire, d'organiser le travail à distance pour les agents qui le peuvent. Hein. Évidemment, toutes les missions ne sont pas télétravaillables, mais pour celles et ceux qui le peuvent, ça permet de gagner parfois en temps, gagner en efficacité, gagner également sur les différents trajets en voiture quotidien que les agents de la ville peuvent faire. Et ce cadre a été respecté ces dernières années. Néanmoins, il a fallu quand même repréciser certaines choses dans le cadre de cette nouvelle annexe. Et le comité social territorial a abordé cette charte en janvier 2022 et des mises à jour ont été nécessaires. Et c'est pour ça qu'on vous propose ce soir la mise à jour de cette charte télétravail pour les agents de la ville. Il n'y a rien de très nouveau, mais nécessairement des précisions dans l'organisation. Je rappelle que c'est un cadre d'organisation du travail, c'est une modalité du travail qui s'apprécie au cas par cas. Ce n'est pas un droit systématique, ça doit également rentrer dans la bonne organisation des services et venir compléter la performance de nos services municipaux et pas venir empêcher le bon développement de leur mission. 58 agents au total ont été sondés pour faire une enquête qualité interne sur ce dispositif. Et nous avons pu par là apprécier un petit peu la bonne mise en œuvre de ce sujet au niveau de la ville de Fontainebleau. Est-ce qu'il y a des questions sur cette charte du télétravail ou sur ce principe ? Monsieur Le Cerf. Juste une remarque en fait. Cette convention permet la présence quand même chaque semaine d'une journée ou deux des personnes qui sont en télétravail. Et c'est plutôt une bonne mesure parce qu'on voit que en ce moment, des entreprises qui avaient fait le choix du télétravail reviennent à ce que les salariés reviennent travailler dans les entreprises. Absolument. Merci de l'avoir souligné. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Pas de questions. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Merci. Point suivant, création d'une prime de responsabilité pour des emplois administratifs de direction. Et il est proposé ce soir de pouvoir éventuellement attribuer une prime de responsabilité aux directeurs généraux des services des communes. C'est le cas pour les communes de plus de 2000 habitants et on se propose de l'instaurer pour la ville de Fontainebleau. Et il vous est précisé que c'est un complément de rémunération uniquement destiné pour le poste de directeur général des services et que ceci est encadré en termes de pourcentage selon le tableau qui vous est détaillé dans la délibération. Il s'agit d'une prime de responsabilité dont le coefficient peut être compris entre 0 et 15%. C'est ce qui se pratique dans diverses communes et ce qu'on vous propose de mettre en place pour la ville de Fontainebleau. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Monsieur Raymond. Ce n'est pas vraiment une question sur ce point. Je ne suis pas un grand spécialiste de cette partie-là, mais c'est une interrogation. Je trouve ça très bien qu'il y ait une prime de responsabilité puisqu'elle a été prévue
dans un cadre législatif, mais je me dis que peut-être qu'une prime pour les autres agents ne serait pas inintéressante. Ça éviterait aussi d'avoir un turnover un peu trop rapide parfois et d'avoir recours à un point qu'on évoquait au début de ce conseil, c'est-à-dire des cabinets de recrutement pour remplacer le personnel qui s'en va dans d'autres collectivités. Voilà, donc très bien cette prime de responsabilité. Peut-être qu'une réflexion serait à mener sur d'autres formes de primes pour le personnel de la ville, pour les inciter à rester dans la collectivité et pouvoir garder la mémoire et le suivi des dossiers, ce qui est toujours un ralentissement dans l'aboutissement des affaires qu'on est amené à traiter quand on perd le suivi, quand on perd la mémoire des dossiers. C'était juste une réflexion en passant. Merci. Je ne voudrais pas seulement lier, M. Raymond, les départs à ces sujets de primes. Ça peut être des éléments, effectivement, de chercher à valoriser sa carrière. Vous avez raison. On va travailler dans les prochains mois sur le CIA, l'acronyme. Merci. Complément indemnitaire annuel, qui sera pour le coup applicable à l'ensemble des agents de la collectivité. Alors, pour les départs, il y a parfois des personnes qui cherchent à évoluer dans leur mission et c'est important aussi, et j'en suis tout à fait heureux pour eux. Mais sur le sujet de la rémunération, il y a un travail qui va être ouvert sur le CIA dans les prochaines années pour les agents de la commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Le Serre. Juste préciser, si j'ai bien compris, cette prime de responsabilité, en fait, elle est statutaire. Elle est permise, effectivement. Quand on dit statutaire, c'est qu'elle n'est pas automatique, elle est prévue dans les textes. Elle est liée au cadre, oui. Absolument. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas de questions ? Des contre ? Des abstentions ? Merci. Point suivant, je redonne la parole à Thibault Flynn, qui va nous parler de la DSP stationnement payant sur voirie en ouvrage. Oui, rebonsoir. Donc, c'est le fameux rapport annuel du contrat délégation de service public du stationnement donc entre notre commune, la ville de Fontainebleau, et la société Interparking, qui est donc notre délégataire. Donc, c'est un rendez-vous traditionnel chaque année qui permet d'avoir un état des lieux un petit peu de la politique du stationnement, que ce soit en ouvrage ou en voirie. Alors cette année, une fois n'est pas coutume, il est encore compliqué d'effectuer des comparaisons avec l'année précédente, donc avec 2021, puisque là on parle bien du rapport de l'année 2022, parce que je vous rappelle que le premier semestre de l'année 2021 était encore très impacté par la crise sanitaire, avec les restaurants et les bars qui étaient fermés, et qu'il y a eu aussi une actualisation des tarifs sur l'inflation en juillet 2022, ce qui fausse là encore les comparaisons. Donc je vais juste m'attacher ici à présenter quelques chiffres qui ressortent un peu du lot, sans forcément chercher à les comparer avec l'année précédente. En premier lieu, des pages 39 à 50, pour ceux qui ont le rapport sous les yeux, vous retrouverez l'ensemble des travaux qui ont été effectués dans les parkings. Je ne vais pas les citer ici, hein, mais c'est assez important à regarder, parce que je rappelle que les parkings sont la propriété de la ville de Fontainebleau et donc le patrimoine de tous les Bellifontains. Sur la voirie, donc, je rappelle le principe de notre DSP, c'est que 100% des recettes du stationnement sur la voirie reviennent à la ville en l'échange du versement donc, par la ville vers le délégataire d'un forfait annuel de 239 000 euros. Donc, en 2022, les recettes totales de stationnement sur voirie, donc, c'était 555 000 euros. Je vous épargne les euros près. Hein. C'est page 69, ça vous avez le total, soit un résultat net pour la ville, donc une fois qu'on a déduit le forfait annuel, de 315 698 euros. S'agissant des parkings en ouvrage, donc ce sont tous les parkings clos hein, avec une barrière à l'entrée, les recettes totales atteignent 3 550 000, ce qui est un record depuis le début de la DSP et ça permet à la ville d'obtenir une redevance variable, puisque vous savez qu'à partir du franchissement d'un certain seuil de chiffre d'affaires, la ville récupère 80% des recettes. Donc la ville va toucher 352 764 euros au titre de l'année 2022. Si on veut comparer en 2021, enfin au titre de l'année 2021, c'était seulement 10 000 euros pour les frais de contrôle. Concernant la dépénalisation et les verbalisations, qui est un peu la troisième grande partie, donc il y a 30 109 contrôles qui ont été effectués donc durant cette année 2022 et 10 741 verbalisations. Donc vous voyez, on retrouve ce fameux chiffre des un tiers de deux personnes qui ne payent pas correctement le stationnement. On avait parlé lors du dernier conseil municipal pour la mise en place du LAPI. Alors, on a un taux de recouvrement qui est assez bon, 92%, mais effectivement, ce taux de respect du paiement, donc il augmente un peu par rapport à l'époque Covid, mais il reste assez bas, entre guillemets, à seulement 64%,
Et c'est donc, cela conforte encore notre volonté d'intensifier les contrôles pour faire monter ce taux de respect du paiement. Donc, si on doit résumer en quelques mots ce rapport, c'est, on va dire, une bonne année de redémarrage post-Covid qui confirme la bonne santé globale de la politique du stationnement à Fontainebleau. Merci. Merci Thibault pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions autour de ce rapport d'activité ? Monsieur Le Cerf. Juste dire qu'on ne participera pas au vote. Ok. Et donc, est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Vous n'abstenez pas ? Abstention. Voilà. Merci. Point suivant, Laurent Roussel. Désaffectation et déclassement du domaine public pour la propriété de 193 rue Grande. Oui, donc il s'agit de la propriété du 193 rue Grande, donc qui a une surface de plancher de 723 mètres carrés, une surface totale de 942 mètres carrés. Donc la parcelle fait 2103 mètres carrés, donc avec un immeuble ancien à l'arrière gauche de ce bâtiment, un autre petit bâtiment qui était auparavant la cantine de Lucien César, un jardin, des locaux techniques, une cour non végétalisée et des grands arbres dans l'arrière du terrain. Donc il s'agit de constater la désaffectation de services publics, puisqu'avant on avait une cantine, cette fois-ci maintenant ça n'est plus utilisé, et donc de déclasser du domaine public la propriété en vue de cession à un tiers. Merci Laurent. Daniel Raymond pour une question. Merci Monsieur le Maire. Alors je sais que c'est dans les habitudes, on l'a déjà vu dans d'autres communes, je ne sais pas si on l'a déjà fait à Fontainebleau, d'anticiper le vote du conseil municipal. C'est toujours un peu gênant, surtout pour les élus, que nous sommes tous, de voir dans la presse que le vote des élus que nous sommes est considéré comme acquis et que cette désaffectation des biens du domaine public est déjà chose faite, puisque on voit des annonces pour la mise en vente de ces bâtiments du 193 rue Grande. Moi, personnellement, ça me gêne, je dois vous l'avouer. Je trouve qu'il y a des règles à respecter. Une des règles étant l'engagement des élus de voter une décision. Et ça doit se respecter. Les élus votent pour cette désaffectation. Très bien. Une fois que c'est fait, on procède à la publication pour la mise en vente de ce bien. Et on ne fait pas le contraire. Voilà. Je sais que ça s'est déjà fait. Du temps où j'étais journaliste, je l'ai constaté très souvent chez nos voisins d'Avon. C'était une spécialité de M. Le Poulain. Et j'ai eu l'occasion de l'écrire souvent. Je regrette que ça se fasse à Fontainebleau. Ce n'est pas dramatique. C'est juste un peu désobligeant pour les élus que nous sommes. Et je le regrette. L'autre point concernant ce bâtiment, c'était mes inquiétudes pour certains occupants, comme le vestiaire Bellifontain, qui avait une position très centrale. C'est une association qui est très utile et qui fonctionne grâce à l'engagement de bénévoles dévoués depuis des années, qu'on connaît tous hein, autour de cette table. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est, et ce qu'il va devenir de leur association et des locaux qu'ils utilisaient. Si jamais ils sont déplacés, je pense que c'est le cas, j'espère que la ville va les accompagner pour les aider dans ce déménagement. Merci. Laurent Roussel. Oui, sur le premier point, j'ai peut-être pas été assez précis, mais le déclassement du domaine public, c'est pour le faire passer dans le domaine privé. Il est évident que la cession ne peut avoir lieu que si, effectivement, ça passe dans le domaine privé de la ville. Donc, tout ce qu'on peut lire par ailleurs... Pour l'instant, il n'y a pas de décision qui a été prise de céder les bâtiments. Ça n'empêche pas de communiquer ou de chercher des acquéreurs potentiels. Ça reste de toute manière sous réserve qu'on déclasse ces bâtiments du domaine public. Ce n'est pas la décision de céder qui est prise, c'est un déclassement uniquement. Subtilité. Ouais, subtilité je ne vous suivrai pas sur cette subtilité. C'est vrai qu'on a vu quand même publier la date de la mise en vente, de la mise aux enchères, avec le prix, etc. Alors que c'était toujours dans le domaine public.
Alors, tout ça étant sous réserve de déclassement. Donc, si le déclassement n'a pas lieu, la vente n'a pas lieu. Donc, ce sera la vente chez le notaire. C'est le jour de la vente chez le notaire que le déclassement doit avoir lieu. Ce n'est pas parce qu'on avance dans la recherche d'acquéreurs. S'il peut y avoir des gens qui se présentent déjà, qui nous demandent, qui se positionnent pour acheter tel ou tel bien, ce n'est pas pour autant qu'on va aller chez le notaire en disant on fera le déclassement si le conseil nous donne bien l'autorisation de le faire. Je n'ai pas vraiment compris pour ma part quelle était véritablement la difficulté. On met un bien en vente, on organise le principe administratif de la vente va se faire, on procède au déclassement. Je ne vois pas in fine quelle est la difficulté. Ça fait partie d'un bien dont la commune n'a pas d'usage. On ne va pas le garder pour se faire plaisir et d'avoir une gestion qui finalement se dégraderait au fil des années si on n'a pas d'idée. Je pense que c'est plutôt une décision de bonne gestion. Mais bon, après l'ordonnancement de tout ça, l'essentiel c'est que les règles soient respectées et elles le sont. Et pardon, pour le vestiaire Saint-Martin, évidemment, ils sont bien au courant du sujet, on travaille avec eux, Isabelle Bolger les voit régulièrement sur la question, et il y a une piste qui semble se dessiner. On en parlera quand ce sera sûr, pour éviter peut-être des allers-retours, mais ils sont parfaitement au courant et parfaitement à l'aise avec une proposition qui leur a été faite il y a quelques semaines. La suite au prochain épisode, mais ça devrait bien se passer. D'autres questions, Monsieur Le Cerf. Oui, dommage que la ville ait laissé ce bâtiment se dégrader. C'est un bâtiment qui correspond davantage aux standards de l'architecture attendue par les Bellefontaines que les nouvelles constructions actuelles. Je regrette donc ce choix. Vous dites qu'il n'y a pas d'utilité pour ce bâtiment. Il peut y avoir... Je crois qu'à une époque, il y avait l'association Empreinte qui était là, qui proposait des logements pour les femmes victimes de... Non, Empreinte, il n'y avait pas l'empreinte à l'étage. En tout cas, ça pourrait être une possibilité d'offrir des logements pour les femmes victimes de violences conjugales, parce qu'on sait que dans le Sud 77, c'est très compliqué d'avoir des solutions de logement pour ces femmes. J'en sais quelque chose. Concernant le plan annexé, les zones rouges correspondent, comme l'a dit Daniel Raymond, à l'occupation d'associations, l'ARCIF pour une petite partie et la grande partie pour le vestiaire Saint-Martin. C'est une association très ancienne qui était installée avant rue du Château, puis après dans ses locaux où elle a beaucoup d'espace. A priori, là, on lui propose quelque chose de beaucoup plus petit. Je sais que demain, il y a une réunion avec Mme Bolger, on verra ce qu'il en sera. Cette association, en 8 ans, il y a 1300 bénéficiaires qui ont été suivis par cette association. L'association aide aux plus démunis, SDF, qui sont très nombreux à Fontainebleau, et maintenant beaucoup, beaucoup pour les étudiants, pour lesquels il y a un espace dédié au premier étage. La proposition qui a été faite au Bréau ne paraît pas recevable vu l'espace qui est proposé. Bon, peut-être qu'il y a d'autres pistes et le risque qu'il peut y avoir, c'est que l'association disparaisse parce que faute d'espace. Merci. Bon, je ne suis pas si pessimiste que vous. Et donc la solution est au Bréau, puisque voilà, l'information qui est travaillée, comme l'a dit M. Le Cerf, la solution serait au Bréau. Frédéric Baltou, tu voulais rajouter un truc ? Oui. Merci, j'écoute et j'entends avec intérêt les remarques des uns des autres sur ce sujet-là. Moi, je voudrais quand même insister sur le fait que cette cession, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui avait été annoncé lors de la campagne il y a déjà quelques années, qui avait été souhaité ces dernières années, qui maintenant trouve son effectivité, et donc il faut s'en féliciter. C'est toujours la même stratégie qui est conduite depuis des années, qui est d'affecter l'immobilier au service public. Et tout ce qui ne ressort pas du service à la population à travers les missions qui sont celles de la ville, la ville n'a aucun intérêt à le garder. On préfère effectivement investir pour entretenir, rénover, comme ça a été fait à la Charité Royale, comme ça a été fait, je ne vais pas vous faire la longue liste, mais entretenir, rénover le patrimoine qui sert effectivement au service public et se délaisser
de biens qui ne servent pas directement le service public. On peut toujours rêver d'être à la tête d'immeubles entiers avec de logements multiples, nombreux, pour loger un jour les femmes qui en ont besoin, et c'est un vrai sujet. Et pour ça, il y a des acteurs, notamment dans le logement social, avec qui on peut travailler, avec qui on peut conventionner, et qui peuvent tout à fait, et ça se fait dans beaucoup d'autres villes, permettre d'ouvrir leur logement à ce type de demande. On pourrait rêver d'avoir logé toutes les associations de Fontainebleau gratuitement dans tout un tas d'immeubles, etc. Mais à un moment, qui paye tout ça? Qui porte tout ça? Est-ce que c'est la mission d'une ville d'entretenir du patrimoine qui n'est pas utile au service public? Donc c'est important qu'on puisse se délester de ce 193 rue Grande, parce que ce sont des logements, et que les logements, c'est pas la mission première de la ville d'entretenir un parc de logements. Il y a par ailleurs d'autres logements du parc privé qui sont suffisants aux besoins de la ville, mais là, très clairement, ça fait des années que le constat avait été fait et qu'on l'avait prévenu les Bellifontains que cet immeuble-là n'avait pas vocation à rester dans le patrimoine de la ville. Donc moi, je suis très heureux qu'on franchisse une étape maintenant concrète de déclassement puis de cession, de manière à ce qu'effectivement, c'est ce bâtiment que la ville n'a pas les moyens de rénover, on le sait depuis quelques années, eh bien, ce soit fait par d'autres pour servir effectivement le logement. Vous êtes vous-même les premiers à pointer, et parfois à juste titre, qu'il y a trop de logements vacants à Fontainebleau. Eh bien, les logements qui sont dans cet immeuble participent effectivement à ce constat-là, à cette vérité-là. Et donc là, on remet sur le marché les logements que nous n'avons pas à gérer. On n'est pas des bailleurs sociaux, on n'est pas des bailleurs tout court, et on n'a pas gardé ce patrimoine dans la ville. Et contrairement, sur empreinte, c'était, vous confondez l'immeuble, c'était quelques immeubles avant, quelques numéros avant, qui avaient cet immeuble qu'on appelait la Toulousaine, et qui était géré par l'office public HLM, puis ensuite l'association Empreinte, mais qui n'a jamais fait partie du patrimoine de la ville, qui était un immeuble qui appartenait à des bailleurs sociaux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point ? Pas de questions. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre ? 2, 4, 6. On a réglé le sujet du pouvoir de Madame Dupuis ou pas ? C'est bon ? Ok. Et une abstention pour Daniel Raymond. Merci beaucoup. Point suivant, la parole à Frédéric Valtous sur le renouvellement de l'adhésion au comité de pilotage forêt d'exception. Oui, alors, je pense qu'en fait, le sens de la délibération, ce n'est pas d'adhérer au comité de pilotage, c'est surtout de valider le contrat de projet qui est proposé, qui est joint d'ailleurs à la délibération, puisqu'en fait, ce sera l'occasion de dire un mot sur la démarche. Vous savez que Fontainebleau, depuis 2011, a été pour l'Office national des forêts terre d'expérimentation de cette démarche forêt d'exception. Cette démarche forêt d'exception, elle est née à la fin des années 2000, avec l'intention de le constat fait par l'ONF de sans doute mettre en œuvre des gouvernances qui soient différentes de ce qui existait jusqu'à présent dans les massifs domaniaux, notamment ceux qui étaient en immédiate périphérie urbaine, avec la volonté d'ouvrir plus largement la réflexion à tous les partenaires qui sont parties prenantes de ces massifs domaniaux. C'était l'époque où effectivement il y avait parfois des incompréhensions très fortes entre la population et l'ONF, entre certaines collectivités dans certains territoires et l'ONF. Et donc forêt d'exception, c'est l'idée de dire, à partir de forêts qui sont par nature exceptionnelles, et la forêt de Fontainebleau est par nature exceptionnelle, non mais des massifs un peu qui ont une valeur particulière, d'ouvrir la gouvernance aux collectivités locales, je le disais, à tous les niveaux des collectivités locales des territoires, aux associations, à tous ceux qui utilisent de près ou de loin ou qui ont une expertise ou un mot à dire sur la gestion de la forêt. Et donc cette démarche forêt d'exception est née à Fontainebleau, on l'a expérimentée pendant quelques années et on avait signé un premier contrat entre 2011 et 2016, puisque c'est des contrats sur 5 ans, puis un deuxième contrat entre 2017 et 2022, et là on vous parle donc du troisième contrat de projet 2023-2027, qui a été validé par le comité de pilotage de forêt d'exception au mois d'avril,
et qui maintenant a vocation à passer devant toutes les conseils municipaux des collectivités membres de ce conseil, de ce comité de pilotage. Donc je pense que formellement, c'est plus le contrat de projet qu'il faut qu'on valide, sachant que la labellisation forêt d'exception, qui est donnée par un conseil scientifique indépendant de l'ONF, constitué initialement par l'ONF, mais indépendant de l'ONF, qui est constitué de spécialistes des systèmes forestiers, de divers experts, etc., qui est un comité national, a validé déjà le renouvellement du label forêt d'exception pour les années 2023-27 à la forêt de Fontainebleau. J'étais moi-même avec, je crois, Hélène, on était tous les deux à l'audition avec les équipes de l'ONF, et ce label a été validé, je crois que c'était l'été dernier, en septembre dernier, par ce comité. Donc la forêt est labellisée à nouveau forêt d'exception. Aujourd'hui, il y a 17 forêts d'exception en France. Et l'intérêt de 17, voilà, il n'y en aura pas tellement plus, puisque le souhait, ce n'est pas non plus de démultiplier à l'infini ce label, mais c'est de le réserver, je le disais, à des sites forestiers qui sont tout à fait particuliers. Qu'est-ce que c'est que ce contrat de projet? Ben, c'est un peu l'actualisation de la même démarche qu'on connaît depuis 2011, c'est-à-dire on détermine un certain nombre d'actions ensemble. Là, il y en a 50, pour 50 actions concrètes pour les années 2023-2027. Évidemment, je vais vous épargner la lecture des 50 actions. Vous les trouvez dans le dossier. Il y en avait 45 dans le contrat précédent. Et en fait, chaque action donne lieu à un tour de table où chacune des parties prenantes dit « Voilà, moi, telle action m'intéresse parce que je suis la région, parce que je suis le département, parce que je suis telle interco, parce que je suis telle commune. Financièrement, je veux bien y mettre un peu de sous. » Ou au contraire, je vais y mettre un peu d'expertise. Ou au contraire, pour les associations qui n'ont pas trop de budget, ben, elles y mettent plutôt de l'huile de coude, de la bonne volonté et de l'accompagnement. Et donc, en fait, c'est une démarche assez originale, puisque forêt d'exception, c'est pas, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de budget. C'est simplement, chacun y amène sa bonne volonté, son envie de faire et de partager pendant 5 ans un certain nombre d'actions. Donc 50 actions qui donneront lieu chacune, à des tours de table de financement qui seront différentes en fonction de la nature de l'action, à des coopérations qui seront différentes en fonction là aussi de la nature de l'action, mais qui visent simplement donc à valoriser la forêt. Alors le fil conducteur de ce contrat de projet par rapport à d'autres, c'est-à-dire en fait ce qui donne un peu peut-être sa tonalité aux 50 actions que j'évoque, c'est la question des paysages, et donc de travailler sur la question des paysages, restitution de certains paysages, amélioration de certains paysages, valorisation de certains paysages, protection de certains paysages. Donc c'est autour de l'idée du paysage. Et pourquoi l'idée du paysage? Parce que c'est en cohérence aussi avec la démarche d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO qu'ont été orientées les actions, c'est-à-dire qu'il y a concomitance entre ce que porte l'ensemble des partenaires à travers la forêt d'exception et ce que nous souhaitons collectivement obtenir avec cette démarche d'inscription de la forêt au patrimoine mondial, de manière à ce que là aussi les actions qui sont faites permettent de valoriser encore un site dans les qualités qui sont les siennes pour obtenir ce label de forêt d'exception. Voilà rapidement dit un peu l'esprit, le fonctionnement, la méthode et l'objectif de ce contrat de projet pour les prochaines années. Merci pour la présentation de ce point, effectivement du nouveau contrat de projet. Sur la présentation, sur la démarche, est-ce qu'il y a des questions? Demande de prise de parole? Pas de questions. Pour le vote qui va suivre, parce qu'il nous faut aussi désigner les représentants de la ville de Fontainebleau au sein de cette instance. Donc on vous propose déjà le principe, est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée, pour nous éviter de faire l'urne et le bulletin secret, il n'y a pas de problème, pas de difficulté. Merci. Et nous vous proposons de désigner comme titulaire Frédéric Valtoux et comme suppléante Hélène Maggiori dans ce comité de pilotage Fontainebleau Forêt d'Exception afin de suivre le bon déroulement de ces 50 actions sur le nouveau contrat de projet. Pas de questions, on peut voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre soutien. Je donne la parole à José Tenda qui va nous parler de la convention de partenariat entre la ville de Fontainebleau et l'ARS
sur un très beau dispositif que l'on aime beaucoup à Fontainebleau et dont José va nous parler. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, bonsoir. Comme vous le savez, l'objectif de notre maison sport santé, c'est celui d'améliorer l'état de santé de la population en favorisant les activités physiques et sportives pour la population du territoire. Notre maison sport santé est dynamique, reconnue sur notre territoire et voire même au-delà. Et c'est pour cette raison que l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a fait son choix sur nous. Mais ce choix n'est pas un choix au hasard. C'est les résultats d'un effort, d'un service de sport de la ville de Fontainebleau qui travaille dur la journée, et voire même ils travaillent, quand ils rentrent chez eux, ils travaillent. Donc c'est grâce à eux que si nous avons ce choix de l'ARS qui a choisi Maison Sport Santé de la ville de Fontainebleau, que nous soyons une ville pilote, nous allons exporter nos connaissances envers d'autres collectivités qui en souhaitent. Et ça, ce n'est pas gratuit, moyennant une subvention de 20 000 euros par an, parce que c'est une convention pour 3 ans. C'est-à-dire qu'en 2023, il y aura 20 000 euros, 2024, 20 000 euros, 2025, 20 000 euros. Et ça, ça va nous permettre que nos agents puissent transmettre les connaissances envers les autres collectivités. Vraiment, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que c'est le sport qui unit les gens. Il n'y a pas la majorité, il n'y a pas la minorité au niveau du sport. Il y a le rassemblement, c'est le sport. Je pense que, monsieur Dominique, tu te rappelles, on était une fois ensemble, on a participé au cross de Lumet. Et c'était super, on a couru ensemble. C'est pour dire qu'il n'y a pas la majorité, pas la minorité. C'est pourquoi je dis encore une fois que je vous demanderai, chers collègues, d'approuver la convention de partenariat entre l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et la ville de Fontainebleau, de préciser que la convention est conclue du 1er janvier 2023 au 30 juin 2026, de préciser que les recettes seront inscrites au budget 2023 et suivant. Autoriser, monsieur le maire, ou son représentant, qui je suis, à signer la convention correspondante ainsi que tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Merci José pour cette présentation. Et effectivement, comme tu l'as souligné, c'est une démarche qui a été lancée en 2013 hein, sur proposition de Frédéric Valtoux. C'était de promouvoir la santé par le sport. Et c'est vrai qu'avec toutes ces années, le déploiement ici à la ville, l'énergie des agents, parce qu'on a des agents vraiment impliqués, comme tu l'as rappelé, on a vraiment un dispositif qui, non seulement s'est bien intégré dans le territoire, mais qui fait référence désormais, que ce soit au niveau régional, voire plus. Ce qui est pratiqué à Fontainebleau fait vraiment sert d'exemple, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la confiance renouvelée de l'ARS qui nous soutient financièrement dans ce projet. En tout cas, un grand merci pour ce que tu développes et pour le temps que les agents consacrent à cette démarche à laquelle il y a de plus en plus de gens qui viennent retrouver goût au sport. Est-ce qu'il y a des questions sur cette démarche ? Eh bien, j'imagine qu'on va avoir une belle unanimité sur ce projet. Est-ce qu'il y a des contres ? Des abstentions ? Merci, le sport et la santé, ça rassemble. Merci pour votre soutien. Point suivant, je vais donner la parole à Judith Reynaud qui va nous parler d'une convention avec l'hôpital de Fontainebleau sur une exposition de photographie. Oui, bonsoir à tous. Donc, c'est dans le cadre du Festival de l'Histoire de l'Art que la ville a conclu un partenariat avec le château pour faire une exposition de photographie sur les grilles. Et cette année, on a donc, là vous avez l'image de l'affiche du festival de cette année, le climat et la Belgique. Et bon, forcément, vous avez la liste hein, des photos, je ne vais pas les citer dans la note de présentation. Et en fait, c'est l'hôpital qui est venu vers nous en nous demandant s'ils pouvaient les emprunter pour décorer leur hall, hein, le hall de l'hôpital de Fontainebleau. Donc on n'a bien sûr pas vu d'objection à cela, puisqu'en fait, une fois que les photos sont exposées, elles sont ensuite propriété de la ville et gardées dans nos réserves. Donc là, l'idée, c'est de leur prêter pendant 5 ans, sachant qu'elles pourront tourner dans les différents hôpitaux
de Montreux et de Nemours. Voilà, et c'est juste d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de prêt de ces photographies, qui sont bien sûr des reproductions. Merci Judith. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet, Monsieur Le Serre? Non, on est très favorable à cette convention. Toute ouverture de l'hôpital vers l'extérieur est une très bonne chose. Travailler plus de 30 ans à l'hôpital marque son homme, donc je pense que je peux en parler. Lier la culture et la santé, comme on lie le sport et la santé, on l'a vu avec José tout à l'heure, c'est que, voilà, je répète, c'est une bonne chose. L'exposition de ses photographies, ses œuvres, ce sera un vecteur de lien social. Ça devrait apporter un nouveau regard sur le soin, le rendre moins austère, plus humain. Elle pourra changer le regard sur la maladie. Et je voulais rappeler aussi que récemment, il y a eu des expositions de statues prêtées par des copies, bien sûr, du Louvre et des tableaux. Et ça a beaucoup été apprécié par les patients et par le personnel de l'hôpital. Merci pour ce retour. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur cette délibération? On va la soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci, on se retrouve sur ce point également. Dernière délibération du soir, la parole à Carole Garnalec qui va nous parler des ouvertures dominicales du commerce de détail. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Je vais vous inviter à aller faire vos courses tous les dimanches à Fontainebleau l'année prochaine. Les dimanches du maire, de quoi s'agit-il? Traditionnellement, vous le savez, les dimanches sont destinés au repos hebdomadaire des salariés. Donc en principe, un commerce ne peut pas ouvrir le dimanche à moins qu'il ne fasse pas travailler ses salariés. Ce principe de repos hebdomadaire pour les salariés connaît quelques exceptions dans l'hôtellerie, la restauration, dans les bars et aussi pour les commerces de détail qui, eux, peuvent ouvrir jusqu'à 13 heures le dimanche. Une exception plus générale qui relève du pouvoir du maire est de choisir 12 dimanches dans l'année au cours desquels les salariés pourront travailler sur la base du volontariat en bénéficiant d'une rémunération qui ce jour-là est doublée et qui bénéficie par ailleurs d'un repos compensateur. Plusieurs commerçants nous ont sollicités avec un projet de dimanche à sélectionner. Nous avons interrogé l'Union des commerçants de Fontainebleau et une liste qui doit être arrêtée avant la fin de l'année 2023, pardon, pour les ouvertures dominicales en 2024 a été arrêtée. Cette liste comprend donc 12 dates. Les 14 et 21 janvier 2024, c'est la période des soldes. Le dimanche 31 mars, c'est le week-end de Pâques. Le 19 mai, c'est la Pentecôte. Le 26 mai, c'est le dimanche de la fête des mères. Le 30 juin et le 7 juillet, c'est l'ouverture des soldes. Le 1er septembre aura lieu une fête commerciale. Les 8, 15 et 22 et 29 décembre, ouverture les dimanches pour préparer les cadeaux de fête de fin d'année. Donc, les 12 dimanches qui sont sélectionnés excèdent le nombre de 5 dimanches qui sont de la compétence exclusive du maire après avis du conseil municipal. Nous devons, pour la totalité des dimanches sélectionnés, interroger, recueillir l'avis de la CAPF. Je vous demande donc de bien vouloir, et là je vais chausser mes lunettes parce que c'est écrit trop petit, je vous remercie de bien vouloir donner un avis favorable à la suppression du repos hebdomadaire les dimanches dont je viens de vous parler, dans les établissements de commerce de détail alimentaire et non alimentaire pour l'année 2024. Je vous demande de bien vouloir solliciter l'avis de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau et de préciser qu'en cas d'avis conforme de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, un arrêté du maire interviendra à l'issue de cette procédure afin d'en fixer les modalités d'application. Merci de visiter et d'acheter dans nos commerces. Merci pour cette présentation et ce cri du cœur, effectivement, achetons Bellefontaine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions, on la prend effectivement chaque année, mais c'est important de le rappeler. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci pour votre vote. On a épuisé l'ordre du jour, mais peut-être une question orale. Alors, elle a été posée par Cédric Thomas, vous allez peut-être vous en faire l'écho, Monsieur Le Serre. Oui, c'est ça, c'est la question orale de Cédric Thomas. Pourriez-vous m'indiquer le coût total pour la création, l'impression et la distribution du document bilan de mi-mandat
et m'adresser les justificatifs correspondants. Je souhaiterais par ailleurs disposer de l'évaluation du coût de la matinée bilan du mi-mandat au théâtre municipal. Eh bien, cette question concerne ce document, le bilan de mi-mandat, exercice démocratique de transparence par excellence, pour lequel, effectivement, il y a un travail de pédagogie sur lequel il faut aller rendre des comptes au Bellefontaine sur ce qui se fait. Donc nous avons fait le choix d'une brochure, brochure dans laquelle il est proposé aux minorités de prendre la parole. Tout le monde n'a pas souhaité prendre la parole dedans, c'est le choix personnel des uns et des autres. Mais cet exercice de transparence, heureusement qu'il est fait, ça fait partie de notre travail, pour réaliser, imprimer et distribuer ce document, c'est à peu près 6 000 euros. Et si vous voulez le coût global estimé de l'ensemble de la démarche de transparence de cet exercice que nous avons fait au théâtre municipal devant les Bellefontains, c'est un peu moins de 10 000 euros pour l'ensemble de la démarche lorsque l'on essaie d'estimer le théâtre, la régie et tout ce qui s'en est suivi. Donc une démarche à peu près de 10 000 euros globalement. Voilà, ça aussi c'est la transparence, c'est vous dire combien ça coûte. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi saluer le travail et l'exercice démocratique qui est de rendre des comptes. En tout cas, pour ma part, je suis très à l'aise avec cette démarche et avec son coût. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas trop frigorifié. En tout cas, si, un peu quand même. On se retrouvera le 11 décembre avec du chauffage à 19h30 pour le dernier conseil de l'année. Merci, très bonne fin de soirée.